pendant les fêtes. C'est une bonne saison. Je pense que s'il y en a qui espèrent jouer au hockey plus tard, je pense que c'est important de travailler fort et jamais vous décourager. Je ne sais pas vous êtes quel niveau, sauf que moi, quand j'étais jeune, je n'étais pas parmi les meilleurs. Il y avait du 2A dans mon temps, il y avait du 2B, moi je jouais dans le 2C. J'ai jamais joué au 2A. Maintenant, c'est moi qui réussis, c'est moi qui joue au hockey. Puis les autres, jouent tout. Je pense que j'ai toujours travaillé plus fort que les autres. J'ai toujours. Durant l'été, je m'entraînais. Je sais que vous êtes jeune encore. C'est que peut-être dans les prochaines années, l'été, commencer à peut-être courir, faire du vélo, des choses comme ça. Moi, c'est ma force physique, c'est mon métier de travail qui m'a fait ici. C'est aussi grâce à ça que j'ai été un peu attiré à la nationale. C'est pas parce que je suis bien avec le meilleur lancer, les meilleures mains. Parce que je suis celui qui travaille le plus fort, puis je suis celui-là qui est plus en forme tout le temps. Donc, c'est là-dessus que moi, je vous encourage de ce côté-là, de toujours travailler fort, de foncer, puis surtout, aimez ce que vous faites. Amusez-vous en jouant au hockey. Je pense que. Si vous prenez trop ça au sérieux, puis si vous prenez pas ça au sérieux, c'est. Vous faites pour rien à fond. Amusez-vous, puis allez-y à 100% dans ce que vous faites, puis amusez-vous dans votre sport, c'est un super de vos sports. Ah, merci, Maxime. Salut.